Hicham Mahou, victoire 2-0 face au FC Lugano. Quelle est ton analyse de match ? C'était un très bon match, hein. Très bon match collectivement. Je pense que ça a été notre meilleur match depuis le début. On a fait ce que le coach nous avait demandé. On a tout respecté. On l'a reproduit sur le terrain et ça a payé. Hein. Ça a payé. Je pense qu'on les a dominés et on mérite largement cette victoire aujourd'hui. On a senti que vous aviez un goût amer de l'élimination face à Getse de Suisse. Quelles ont été les consignes du coach pour préparer ce match ? Ouais, c'est vrai que cette élimination nous a fait un peu de mal. Parce que je pense qu'on aurait pu mieux faire. Mais après, le coach là aujourd'hui nous avait dit que c'était du passé et qu'aujourd'hui l'important c'est le championnat et qu'il fallait se tourner vers le championnat, aller chercher des points. Lugano c'était un concurrent direct, donc je pense que cette victoire elle nous fait énormément de bien. Le LS s'est montré très entreprenant dès le début du match et s'est procuré de nombreuses occasions. L'objectif était clairement les 3 points. Ah oui, l'objectif c'était clairement les 3 points parce que je pense qu'on était dans une période délicate. Maintenant, l'important, c'est d'aller chercher des points, surtout que là, on enchaîne Vaduz et Sion. Du coup, c'est des matchs très intéressants pour nous et il faudra aller chercher les points. Sur le plan personnel, tu as été élu MVP et tu as inscrit ton premier but pour le LS à la maison. On imagine que tu es satisfait de ta prestation. Ouais, ça fait énormément de bien. Je le voulais depuis un moment maintenant. Mais je pense que j'aurais pu mieux faire d'ailleurs, je pense que j'en aurais pu en marquer plus. Mais l'important aujourd'hui, c'était les 3 points, comme je l'ai dit. C'est la prestation de l'équipe, elle était super, donc bravo à toute l'équipe et c'était top. Hein. Comme tu l'as dit, grosse semaine anglaise à venir avec un déplacement à Vaduz mercredi et puis la réception de Sion dimanche. Comment allez-vous préparer cette grosse semaine à venir ? On va la préparer comme tous les matchs, hein, sans pression, ça sert à rien de se mettre trop de pression. On va prendre les matchs l'un après l'autre et après à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain. Parfait, merci.